Yes, c'est juste exceptionnel, vraiment, on peut applaudir vraiment pour cet enseignant, il est juste magnifique, il est exceptionnel. Est-ce qu'on peut faire ça à ses élèves, leur avis la vedette, alors que c'est leur fête de fin d'année? Mais vraiment, c'est toute la passion qu'il a pour son métier. Et Cyril Octave, qu'est-ce que tu penses justement de cet enseignant-là? Déjà son accoutrement, c'est pas dedans, c'est sa concentration pendant toute la pourrie. Déjà au niveau de sa tenue vestimentaire, moi j'ai trouvé qu'il était très bien vêtu. Donc, du coup, un artiste. Comme un artiste. C'est vrai que la tenue était différente de celle de ses élèves. Maintenant, au niveau de la chorégraphie, c'est vrai, c'est le bic. Et les autres, c'est les tchotcholos. Ouais. Donc, tu vois un peu. Ouais. Donc, forcément, en termes de prestance, en termes de déhanché, il doit être forcément au-dessus que ses élèves. Ouais. Et maintenant, si les invités qui étaient présents à la cérémonie l'ont faroté, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est tout simplement naturel. Oui. C'est pas de sa faute. Non, mais on peut voir, quand tu regardes l'engagement qu'il a, la concentration, la précision dans l'exécution des pas de la chorégraphie, c'est vraiment magnifique. C'est toute la passion qu'il a. On dit l'enseignement, c'est vraiment le meilleur métier du monde. Et on peut le voir à travers cette vidéo qui a fait rire de nombreux téléspectateurs, notamment une qui est très fidèle de l'émission. Elle s'appelle Inès Kamajou. Elle a un an de plus le 10 août. Et vu que nous sommes le 9 et qu'on ne sera pas à la télé, on préfère le lui souhaiter aujourd'hui. Inès Kamajou, un an de plus aujourd'hui, vraiment tous les vœux de Tinchin, tous les vœux de bonheur, de santé, de succès pour ta vie et ton avenir. Reste connecté à Tinchin comme elle et suivez à l'instant ce qui va suivre, le challenge.